Eh bien, salut à tous les amis, c'est Voz pour l'épisode 3 sur ce magnifique jeu qui se nomme Journey. Alors les amis, dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 2, nous nous sommes retrouvés dans ce sorte de... Ou plutôt dans cette sorte d'archipel totalement en ruine, si je peux dire, et qui fait quand même un peu flipper, hein. Ça change du beau paysage qu'on avait dans l'épisode précédent, par exemple. Là, on n'a plus le soleil, on n'a plus rien. Là, il fait sombre, là. J'ai l'impression que nous sommes tombés dans les ténèbres. Je n'espère pas, bien évidemment. Oh, mais les gars, dans l'épisode 2, juste avant de tomber dans ce trou. Oh, mais je crois que c'était l'épisode des glissades. C'était trop bien. On a fait que du toboggan. C'était magnifique. Oh, j'ai kiffé. Bref, cessons de parler de ce qui s'est passé dans le passé. Oh, cette phrase est magnifique. Cessons de parler de ce qui s'est passé dans le passé. Ok, maintenant, on va commencer à parler du présent pour connaître le futur. Oh là là, je vais éviter de sortir des phrases philosophiques comme ça, sinon je vais vous perdre. Donc les amis, on s'est arrêté devant une nouvelle fois, cette pierre totalement magnifique qui va nous ouvrir le passage derrière. Ce qui veut dire une cinématique. Ce qui veut dire que je vais me taire. Allez, on regarde. Je crois que je viens de comprendre ce que c'est ces dessins-là. Les gars, j'ai l'impression que c'est la map en fait, que c'est une sorte de map. J'ai l'impression que c'est le chemin qu'on doit suivre. Et les sortes de maps aussi, les sortes de dessins là qu'on trouvait. Qu'on trouvait avec des pierres là qu'on allumait avec ce pouvoir là, et ben je crois que c'était les endroits suivants où on allait aller. En fait, je crois que c'est des parties de map du jeu, d'endroits, si j'ai bien compris, hein. Par contre, sombre et une seule lumière. Je ne suis pas mort, hein. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a la lumière blanche et pourquoi ça devient sombre tout d'un coup? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? D'accord. Cette lumière ne fait rien. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième lumière qui éclaire ce caillou? D'accord.
très bizarre. Très bizarre cet endroit. Y aurait-il des choses à l'intérieur? Non, il n'y a strictement rien. Voilà, venez là, vous. Oh, venez là, venez là. Oh, il y en a encore plein, là. Ah, il s'échappe, hein. J'essaie de pas trop parler, les amis, parce que dans ce jeu, ce qui est magique, c'est les effets sonores, la musique et tout. Donc, je vous en laisse profiter. Tout comme moi. Je suis en train de profiter de l'ambiance. Même si c'est un changement d'ambiance totale comparé aux épisodes précédents. Waouh! Ça ne fait rien. Peut-être qu'avec lui, le gros, ça va faire. Que dalle. Peut-être qu'avec cela. Non. Oh, il est énorme. Il est énorme, il est énorme. Bon, ça. Ok, nickel. Oh, il y a des nouvelles créatures. Oui, en fait, ça nous fait voler. Là, les papyrus, les gros, regardez. Et là, eux, ils font quoi? Oh, c'est trop bien. J'adore. Je pense que à chaque épisode, je vais dire que j'adore ce jeu. En même temps, non mais... Oh, le jeu, il est sorti en 2012, hein. Il est tellement original. C'est un jeu de détente, ouais. Vraiment, là, c'est vraiment la détente. Et la bonne humeur. Par contre, où c'est qu'on va, là, maintenant? Hop, j'ai raté le mur. Hein. C'est pas grave, c'est par là. Derrière, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah ça, on l'avait vu dans l'épisode précédent. Ce sorte de mécanisme. Ça fait un peu flipper là par contre. Si je peux me permettre. Ça fait un tout petit peu flipper. Hop, un screenshot, hein. Oh punaise, il m'a fait peur. Oh saloperie! Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur bonjour! Gentil, méchant? Oh, il m'a fait tellement peur! J'ai dit juste avant que c'était un jeu de détente et de bonne humeur, hein? Me serais trompé. Oh, Dame. Hop, on continue, hein. Moi, je reste pas là-dedans. On peut pas revoir le soleil, là, le désert?
Parce que il a l'air cool cet endroit, mais on vient de voir une créature pas très catholique, si je peux dire. Oh shit, bro. D'accord. Ça va être notre copine. Moi, je dis que ça va être notre copine. Tout doux, loulou, tout doux. Ça peut nous attaquer? Ok, je crois que j'ai la réponse à ma question. Ok, hein. S'il nous voit, on est mort. On est totalement mort. Hein. Oh, Dame. Et ça, la statue là, c'est pas vivant ça aussi? Pas de screamer, hein. Pas encore une fois. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature du démon? Oh putain. Oh punaise, excusez-moi. Ah ouais, faut faire gaffe, hein, les amis. Je pense que si on se fait voir, on est mort. Hein. C'est une blague! Ceci est une petite vanne. J'en étais sûr qu'ils étaient vivants. Et on se calme. Gentil. Je suis votre ami. Vite, on se cache dessous. Vite! Oh, Dame. Est-ce qu'il peut... Non, là normalement il peut pas nous voir. Oh là là. En attendant, elles sont magnifiques ces créatures aussi. Je cours! Je me raccroche à la vie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. D'accord. Hop, on y va. Hein. Si celle-là se réveille. Au pire, je vais faire plus court. Si une de vous se réveille, que ce soit toi. Oh, damn. Vite, vite, vite. Ma vie est nulle. Oh, c'est bon. Hop, je suis caché derrière votre pote, hein. Putain. Oh, putain. Ok, je pensais pas qu'il allait avoir des phases d'infiltration. C'est trop bien. Attendez, hein. Elles sont derrière ou pas? Elles vont revenir, hein. Moi, je vous le dis. Oh, yes, une orbe. Maline. On va attendre qu'elle repasse. Ok, on y va. J'ai peur. Oh, elles sont en bas. Il y en a combien? Il y a les deux. On va devoir gérer avec la glissade et tout. Ok. Oh, je cours. Je me raccroche à la vie. J'ai pas le temps pour ces conneries. Ces bêtes qui veulent me manger. Oh. J'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Oh là là. C'est con, hein? Vous ne pouvez plus venir maintenant.
C'est quoi? Oula! Non, 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 attends, attends, attends. Oh, ok. Ok, j'ai compris! C'est bon! Je vous laisse tranquille! Allez. Montre-moi ce que t'as à me dire encore. Silhouette blanche. Oh, c'est totalement fou, hein, ce qui vient de se passer, hein. Ah, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, hein. Allez, on se tait, hein. Cinématique, hein. Donc c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure les amis, hein. Cette carte, je crois que c'est les prochains entre guillemets, les prochains niveaux, les prochains endroits qu'on va devoir aller. Donc là il va y avoir la montagne aussi, si je comprends bien. S'il y a la montagne qui apparaît, c'est ça, hein. Peut-être... Non, non, c'est pas pour maintenant la montagne. Par contre, qu'est-ce que c'est que... C'est nous, ça. C'est incroyable. C'est totalement fou. Oh, j'ai kiffé, hein. La scène d'avant là, les scènes d'infiltration, ah j'ai kiffé, hein. Surtout à la fin là, lors de la glissade. Oh, ils ont failli nous bouffer. Oh, cinématique, hein. Hop, trophée, hein. C'est bon ça. Mais attendez, on est... Oh là là, on n'est pas dans la montagne, on n'est pas dans la montagne, rassurez-moi. Non. Attendez. Parce que j'ai l'impression que le truc blanc au sommet... J'ai l'impression que c'était le rayon qui sortait de la montagne. On n'est pas dans la montagne là quand même. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. Dans le prochain épisode. Voilà. Les gars, c'est la fin de l'épisode 3 de cette incroyable aventure sur Journey. Oh là là. Je pense que c'est mon épisode préféré. Avec les créatures là qu'on a eu juste avant, c'était magnifique. Vraiment. Donc cet endroit, on va le découvrir dans l'épisode 4, hein. Mais c'était magnifique, hein. Ah, j'ai kiffé, je vous le dis. Oh, on s'est assis sur la marche, hein, au calme. Hein. Au calme, au calme. Donc voilà, les amis, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, comme à chaque fin d'épisode de Journey, je vous demande de mettre un petit commentaire pour savoir comment vous avez trouvé l'épisode et qu'est-ce que vous pensez du jeu, tout simplement. Et encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez la vidéo, surtout à vos amis, vos parents, votre famille, tout le monde. Et moi je vous dis, prenez soin de vous. Et à la suite pour l'épisode 4 sur notre incroyable aventure qui se nomme Journey. Ciao ciao les amis.